Est-ce que maintenant, si on voit un taux de mortalité maternelle qui reste élevé, est-ce que on fait de bonnes choses? C'est là où la motivation du choix du thème. Moi, quand je dis maintenant, nous sommes une trentaine, en créant l'association, on était moins de 15. On dirait on a un effectif meilleur par rapport d'il y a 15 ans, mais on n'est pas suffisant. Tout à l'heure, on dit, même tous ces 30 gynécologues, je pense que 90% sont dans la mairie de Bujumbura. Cela veut dire que la couverture en médecins spécialistes, en général, et en gynécologie en particulier, elle n'est pas encore couverte. Alors, il y a des programmes actuellement qui ont été initiés depuis 2017 avec le ministère qui organise ce qu'on appelle les mentorats cliniques. Le souhait, c'est qu'il y ait beaucoup de gens formés et qui puissent faire de bonnes pratiques. Alors, la doléance qu'on demande, c'est de nous appuyer dans ce que nous faisons et de nous accompagner pour faire le mieux en termes de production de ressources humaines et en termes aussi, parce que les ressources humaines ne suffisent pas seulement, il faut aussi l'environnement, le plateau technique.